Un artisan, il détient tout le savoir de tout ce qui m'entoure. Donc c'est mon interlocuteur principal pour certaines réalisations sur la pièce. Il y a une espèce de fibre artistique que j'ai depuis tout petit avec la musique. Et du coup, j'avais envie de me confronter à ça dans mon travail. Et on a vraiment pris un temps de discussion où on va se partager nos idées sur la pièce qu'on est en train de produire. Moi, je trouve ça intéressant, cette démarche-là, de pouvoir l'aider à construire quelque chose d'hybride entre l'artiste et l'artisan sous le prisme de sa vision artistique. Lui, il part du principe que de l'erreur peut naître quelque chose de beau, en fait. Et avec Léo, il y a énormément d'échanges à ce niveau-là, d'échanges théoriques sur nos savoir-faire différents, sur la possibilité qu'il a de se laisser aller quand on est dans mon espace. Pour moi, c'est vraiment une bulle d'air. D'une simple feuille de dessin, on peut arriver à quelque chose. On se dit que, en fait, tout est possible.